Bonjour les amis, comment allez-vous bien? De mieux en mieux, je l'espère. Alors, je vous souhaite toujours une journée remplie de dopamine et de sérotonine. Alors, aujourd'hui, je voulais vous parler du rythme de vie. Voilà, je suis dans un univers paradisiaque, je suis à l'étranger, je fais 3 ateliers ce week-end, donc c'est un rythme de travail, mais j'ai profité avant et après de pouvoir profiter de ce lieu, pour pouvoir permettre de me ressourcer. Parce qu'en fait, c'est ça la vie. La vie, regardez bien se s'habiller, vous ne voyez pas le temps qu'il vous reste à vivre, mais vous voyez comment il s'écoule. Vous voyez la vitesse à laquelle il s'écoule, et surtout, vous voyez ce que vous avez vécu comme période de vie, ce que vous avez vécu jusqu'à présent. Pour moi, c'est absolument indispensable. Et pourquoi j'aime ce sablier? Alors, c'est pas uniquement pour savoir si je vais faire des œufs mollets ou des œufs durs, puisque vous avez effectivement 3, 4 ou 5 minutes. C'est un sablier que j'utilise lors de mes formations d'hypnose, puisque Hellman, dans l'hypnose hellmanienne, disait que quelqu'un qui maîtrise bien l'hypnose doit mettre une personne dans un état somnambulique, donc profond, en moins de 4 minutes. Autrement dit, c'est le vert ou le jaune. Si vous faites dans le blanc, vous avez dépassé les fameuses 4 minutes. Alors, je vais vous dire, on n'est pas à une minute près. Mais ce que je veux, c'est que lorsque les grains du sablier se sont tous écoulés, la personne soit déjà en hypnose. C'est comme ça que je teste ceci dans mes formations présentielles avec mes stagiaires. Alors aujourd'hui, je voulais vous dire, voilà, il vous est peut-être écoulé ça comme temps, ou ça. Mais regardez la vitesse d'écoulement de chacun. Alors, quand vous prenez conscience que vous ne savez pas, et voyez ce qu'il vous reste à vivre. Parce que si vous voyez ça, et ça c'est ce qu'il vous reste à vivre, et bien peut-être que vous allez éviter d'aller aussi vite que le vert, mais prendre un peu plus de temps et être comme le blanc. Après, c'est vous qui décidez. Mais pour moi, quand on ne sait pas ça, on regarde juste comment vous appréciez votre temps. Est-ce que vous êtes tout le temps à fond dans tout ce que vous faites? Est-ce que vous vous occupez de votre famille? Est-ce que vous vous occupez de vos loisirs? Est-ce que vous vous occupez des vacances? Est-ce que vous vous occupez de votre corps? Est-ce que vous vous occupez de baisser le rythme, de prendre du temps pour vous, pour les méditations, l'auto-hypnose? Eh bien, regardez, pendant que je vous parle, celui-là, il a fini de vivre, alors que celui-là, il lui reste tout ça à vivre. Alors, c'est la question de la capsule de ce jour. Comment voulez-vous vivre le reste de ce qui vous reste à vivre? Parce que vous ne pourrez pas influer sur le temps qui vous reste à vivre. La seule chose que vous pouvez influer, c'est comment vous allez vivre le temps qu'il vous reste. Alors décidez à vous ce que vous souhaitez. Alors j'en profite pour dire que c'est également un petit peu les rythmes, voyez, rythme bêta, rythme alpha, rythme theta. Quand vous êtes dans des pratiques de méditation, ou des pratiques d'auto-hypnose, eh bien le temps s'écoule comme ceci. Alors, mettez-moi dans vos commentaires comment vous voulez vivre maintenant et ce que vous souhaitez vivre dans les semaines, les mois, les années qu'il vous reste à vivre. Nous sommes tous, malheureusement, de la même manière, impuissants face au temps. La seule chose que l'on peut maîtriser pendant que le sable blanc est en train de s'écouler, c'est la façon dont je vais vivre le temps qui me reste à vivre. Profitez de vos amis, aimez le maximum, aimez le plus, mettez de l'amour dans tout ce que vous faites, parce que à la fin de notre vie, quand nous serons passés de l'autre côté, que nous serons dans nos derniers jours, la seule chose dont on va se rappeler, c'est l'amour que l'on a mis dans ce que l'on a fait, ou pas. À bientôt.